écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Au sommaire, nationalisation des hydrocarbures et création de l'UGTA, on célèbre aujourd'hui l'anniversaire de ces deux événements majeurs. Le Premier ministre préside les festivités officielles à Timimoun en présence de plusieurs membres du gouvernement et du patron de la centrale syndicale. Ce double anniversaire constitue le dossier de cette édition. Autre événement majeur, le Forum des pays exportateurs de gaz la semaine prochaine à Alger. De nombreuses délégations étrangères feront le déplacement. Le ministre des Transports effectue une visite d'inspection à l'aéroport international d'Alger. Côté météo, la pluie va persister jusqu'à demain sur tout le nord du pays, placé d'ailleurs sous vigilance orange. Et puis sport football avec ce match de Champions League opposant ce soir le CRB aux Young Africans de Tanzanie. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Nader El-Arbaoui effectue aujourd'hui une visite de travail dans la boudaïa de Timimoun, où il préside la célébration du double anniversaire, celui de la création de l'UGTA et la nationalisation des hydrocarbures. El-Arbaoui est accompagné de plusieurs membres du gouvernement, à savoir le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, celui du Travail, Faisal Bentaleb, et le secrétaire général de la centrale syndicale à Martakjout. Le 24 février, une date hautement symbolique pour les Algériens, avec la nationalisation des hydrocarbures en 1971. Cet événement sonne comme une deuxième indépendance, avec le recouvrement de la souveraineté sur le sous-sol algérien. Hanan Saïsi. Le 24 février 71, devant la puissante Union Générale des Travailleurs Algériens, le président Fehou Ali Boumedienne annonce la nationalisation des hydrocarbures. Une décision capitale pour l'avenir dans une nation où la souveraineté absolue est le principe fondamental de son existence. Boukhalfa Amazit, journaliste et historien. Parmi les objectifs que se fixaient les pères fondateurs, il y avait cette idée de restauration de l'État algérien. C'était répondre à cette ineptie qui était distribuée à longueur de page des livres d'histoire colonialiste, comme quoi l'Algérie est une création de la France. Donc, cela procédait de la restauration de l'État algérien. Un nouveau 1er novembre. Riyad Saïdaoui, analyste en géopolitique, spécialiste de la question algérienne. On pourrait considérer cette nationalisation, la nationalisation des hydrocarbures, c'est l'indépendance économique de l'Algérie. Une rupture avec l'exploitation des colonisateurs français et occidentaux, l'Algérie est devenue alors un pays souverain. La souveraineté nationale, une ligne rouge, jalousement préservée par une nation qui suscite aujourd'hui respect pour sa position immuable et constante en faveur des principes nobles, des causes des peuples qui demeurent sous l'emprise du colonialisme et de l'impérialisme économique. L'Algérie a écrit une nouvelle page de son histoire, consolidé sa souveraineté derrière une stratégie, un travail de coulisses et des tractations. Parmi les acteurs de cette stratégie, un certain Rachid Tapti, un jeune révolutionnaire qui avait abandonné ses fonctions d'avocat pour rejoindre la Fédération FLN de France et devenir un agent du renseignement. Il avait alors créé le personnage de prince de Marmara qui lui avait permis d'intégrer les milieux secrets français et soutirer des informations au profit de la révolution algérienne. Témoignage exclusif de son fils Yanis Tapti, extrait de l'émission spéciale diffusée sur nos ondes et animée par Nelly Menmendil. Il aidait un peu les Khmer Golo al-Khawa, donc à leur procurer des documents pour que quand ils sont contrôlés, ils puissent passer sereinement. À partir de renseignements qu'il avait auprès du ministère de la guerre en France, donc il permettait aux révolutionnaires d'anticiper un peu ces mouvements de troupes de l'armée française, et donc ce qui aidait un peu la révolution. Après, il y a eu une rencontre à travers son père qui était en Tunisie, avec un personnage aussi illustre que mon père, donc qui est Wali Boumaza, qui faisait partie du MALG. Et donc cette rencontre a fait qu'il y a eu ce travail de fourmi, cette tonne de renseignements que mon père fournissait à l'Algérie à travers Monsieur Wali Boumaza, qui acheminait ses informations à Alger. Il y avait cette histoire de prince de Marmara. Il a créé ce personnage-là qui lui permettait d'accéder à des cercles assez fermés. Dans cette même émission, Nelly Menmendil a recueilli le témoignage du premier foreur de la compagnie pétrolière nationale, la Sonatrach.
à la direction recherche et production. J'étais reçu par Sinordine Aitlaoussine, qui était directeur de la recherche et production, pour me dire qu'ils allaient commencer à forer à l'est du Sahara et qu'ils voudraient que je vienne avec eux comme superviseur forage. On m'a envoyé dans le sud de Hassim Saoud, puis sur El Borma. El Borma se trouve sur la frontière algéro-tunisienne pour forer les puits d'eau et superviser les travaux d'une piste d'atterrissage pour eux. Tout ça pour dire que j'étais le premier foreur de Sonatrach et j'ai commencé le premier forage de Sonatrach qui était El Borma, El Borma 1, et je suis resté plus de 2 ans là-bas jusqu'à El Borma 3. Par la suite, je suis rentré à Hassim Saoud comme superintendant pour m'occuper des chantiers qui étaient en exploration. C'était Mohamed Brahimi, premier foreur de la compagnie pétrolière nationale. La commémoration de ce double anniversaire intervient à moins d'une semaine du Forum international des pays exportateurs de gaz, un événement qui témoigne de la place de l'Algérie sur la scène énergétique mondiale, comme l'a souligné ce matin le ministre des Moudjahidines, Laïd Erbiga, exprimé lors d'une allocution à une conférence au Musée national du Moudjahed. Ses propos sont recueillis par Smaïl Mimouni. L'Algérie nouvelle, forte par son leadership sur la scène énergétique et par sa souveraineté de sa décision, a retrouvé aujourd'hui sa place dans les forats internationaux à la hauteur de sa position de puissance régionale. Tout cela conformément aux valeurs de novembre 1954. L'Algérie compte organiser dans quelques jours la 7e session du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays exportateurs de gaz sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un sommet qui discutera des enjeux et des défis du système gazier actuel et futur à la lumière des circonstances géostratégiques et géopolitiques du monde entier. À l'occasion de ce forum, de nombreux chefs d'État et de gouvernement feront le déplacement à Alger, accompagnés de leur délégation. En prévision de cet événement, le ministre des Transports effectue aujourd'hui une visite d'inspection à l'aéroport international d'Alger. L'université d'Adrar, Ahmed Draïhia, vient de remporter le concours national de développement durable et d'énergie. Cette même université qui forme chaque année des centaines d'ingénieurs dans le domaine des hydrocarbures et du renouvelable. Nous retrouvons en direct notre envoyé spécial, Sami Aloun. Sami, bonjour. Tiens, Baja, bonjour. C'est donc à l'université Ahmed Draïhia, dans la wilaya d'Adrar, que nous nous trouvons en ce moment au sein du département des hydrocarbures et énergies renouvelables, où des étudiants se forment chaque jour pour représenter une nouvelle génération capable d'assurer une relève dans ce domaine clé au sein du développement socio-économique du pays. L'Algérie fête aujourd'hui, le 24 février, le 53e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Les ingénieurs et techniciens algériens se sont mobilisés pour s'engager et soutenir cette décision historique qui a permis un maintien de la production d'une façon optimale avant de progressivement transmettre le flambeau aux futures générations qui ont su accroître les capacités de production de l'Algérie en termes de pétrole et du gaz tout en consolidant sa position sur le marché de l'oil and gas au niveau régional et international. Des compétences qui suivent différents parcours pour atteindre une excellence scientifique à même de relever les nouveaux défis liés aux mutations géopolitiques et économiques, des ressources humaines formées pour une transition vers les énergies nouvelles, mais également sur des procédés liés à la préservation de l'environnement. Des projets de recherche qui concernent par exemple la production et l'utilisation d'hydrogène à partir d'une source de méthane. L'influence start-up est également présente au sein de l'université. Des jeunes qui aspirent à trouver des solutions à des problématiques par la voie de l'innovation, parvenir ainsi à accompagner progressivement la transition énergétique et environnementale, tout en développant le secteur des mines ainsi que sa valorisation et de ses richesses. Merci Sami Aloun. Je rappelle que vous étiez en direct depuis l'université d'Adrar. Le 24 février 1956, soit il y a près de 70 ans, on assistait à la création de la centrale syndicale en pleine révolution. Les syndicalistes algériens qui ont grandement contribué au mouvement de libération. Chekib Bensaoui.
Jalon du processus de lutte et de maturation de la conscience politique et sociale des travailleurs, le 24 février 1956, la création de l'Union Générale des Travailleurs Algériens fait participer les travailleurs au combat libérateur pour l'indépendance. Avec près de 110 000 adhérents, l'UGTA participe activement à la réussite de la grève des 8 jours en laissant des martyrs, des prisonniers. Après l'indépendance, la centrale syndicale a accompagné la période de construction de l'Algérie. Aujourd'hui, les défis sont d'une autre nature. Il s'agit pas les différents amendements, particulièrement la constitution de 2020, puis dans la continuité, la promulgation en 2023 de la nouvelle loi sur les libertés syndicales à promouvoir un environnement de travail plus équitable et permettre aux travailleurs de faire entendre leur voix de manière démocratique. À la lumière des défis de l'heure, il est crucial pour les syndicats ainsi que pour l'État de travailler en étroite collaboration pour participer à la réussite des politiques engagées et à la concrétisation du projet de l'Algérie nouvelle. Depuis, la pratique syndicale a évidemment évolué. Les syndicalistes ont pour mission de continuer le combat afin de préserver les acquis. La moyenne d'âge de ces syndicalistes semble se rajeunir. Reportage de Smaïl Mimouni. Âgée de 35 ans, Feriel, une commerciale dans une entreprise d'import-export, et Adel, enseignant dans une école privée, sont assurés d'être représentés par un syndicat. En tant que jeune, je trouve qu'on doit à tout prix avoir un syndicat qui nous représente pour préserver nos droits, pour défendre nos droits, pour améliorer les choses, pour réclamer, pour demander, pour participer aussi à l'évolution de notre situation professionnelle surtout. Les objectifs de la société ont changé, donc s'adapter au changement dans un monde qui change. Nos représentants, nos syndicalistes, ils font leur travail à cœur. On est tous dans les trentaines, quelques-uns les vingtaines, ils sont de la nouvelle génération. Ils croient au syndicalisme. L'Union Générale des Travailleurs Algériens, l'UGTA, adapte sa stratégie syndicale aux normes de la pratique syndicale exigée à l'international. La place des jeunes et des femmes est préservée au sein de toute instance syndicale, nous dit Ammar Takjout, le secrétaire général de l'UGTA. On est en train d'imposer une ligne de conduite qui est réglementaire. C'est la loi, c'est les conventions internationales, c'est les orientations au niveau international aussi avec nos organisations à laquelle nous sommes affiliés. Nous sommes en train d'atteler un petit peu nos efforts à demander à ce que les femmes soient représentées, que les jeunes soient représentés. La norme que nous avons aujourd'hui, c'est 30% de femmes et 30% de jeunes. Ces jeunes qui adhèrent à des instances syndicales se présentent avec des idées innovantes pour favoriser l'évolution et le développement des conditions de travail et le respect de l'égalité des chances. Il est 12h bientôt 43 minutes sur Alger, chaîne 3. C'était notre dossier consacré à ce double anniversaire du 24 février. Plus de 100 Palestiniens sont morts dans de nouvelles frappes nocturnes menées par l'entité sioniste à Gaza selon le Hamas. Des discussions sont prévues à Paris sur une trêve en présence d'une délégation de l'entité sioniste. Cette même entité qui va limiter voire interdire l'accès des fidèles musulmans à la mosquée d'Al-Aqsa durant le mois sacré. Des restrictions proposées par le ministre fasciste Ben Gvir qui appelle à autoriser plutôt la police à faire des descentes à l'intérieur même de la mosquée. La situation en Cisjordanie occupée est explosive, nous dit Ayman Ashaka, analyste. Il est contacté par Karim Hasnaoui. Cisjordanie est au bord de l'explosion depuis le début de cette guerre. Les attaques des colons sont intensifiées d'un jour à l'autre, l'expansion des colonies, plus la crise économique dans laquelle la Cisjordanie vit actuellement. Tous ces des éléments qui, à mon avis, vont rapprocher cette explosion. Et là, tout le monde attend le ramadan. Les Israéliens qui ont interdit complètement l'accès à la mosquée Al-Aqsa pour les Palestiniens, et les colons qui n'arrêtent pas de couper les routes, les checkpoints israéliennes sous toutes les villes palestiniennes. Et ça complique beaucoup la vie ici. Plus les enfants, tout ce qui se passe à Gaza, qui nous touche personnellement, c'est notre peuple là-bas. Et je crois que l'explosion est vraiment imminente actuellement. L'entité sioniste a approuvé la construction de pas moins de 3000 unités en Cisjordanie occupée, une décision rejetée par l'administration américaine qui fait face à des pressions internes et même internationales en raison de son soutien et sa complicité dans le génocide des Palestiniens. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a renouvelé ses accusations de génocide du peuple palestinien par l'entité sioniste à Gaza. Le président colombien lui a emboîté le pas affirmant qu'à Gaza, il y a un génocide des milliers
milliers d'enfants, de femmes et de personnes âgées sont lâchement assassinés. En bref, en France, l'ouverture du salon de l'agriculture, marquée par des heurts entre les agriculteurs et les forces de l'ordre, brandissant des slogans appelant à la démission du président Macron, les agriculteurs ont forcé l'entrée du salon, faisant face à des unités de CRS au milieu des exposants et des animaux, indiquent les médias locaux. Malgré les vives tensions à son arrivée, Emmanuel Macron a appelé au calme, précisant que le projet de loi agricole est en phase d'être finalisé et sera présenté le 20 mars en Conseil des ministres. La 16e conférence des Nations Unies sur la biodiversité se tiendra en octobre à Cali, annoncé la présidence colombienne, qui attend quelques 190 pays et 13 000 personnes pour ce premier point d'étape de l'accord de sauvegarde de la nature scellé en 2022 à Montréal. On arrive au sport. Douane Bendali, bonjour. Bonjour, Sierra. Alors, le football principalement aujourd'hui. D'abord, la Champions League africaine et le CRB qui affrontent ce soir les Tanzaniens. Tout à fait. Le Chebeb de Belouizdad, représentant algérien dans la Ligue des Champions, affrontera à Dar es Salaam les Tanzaniens des Young Africans à partir de 17h au stade de Benjamin Mkapa. Un tournant important pour la qualification au quart de finale à l'occasion de cette 5e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions pour les Belouizdadi. Ils avaient été tenus en échec, rappelons-le, vendredi dernier par l'Ali d'Égypte 0-0 à Alger. Et donc, les 3 points de la victoire semblent une mission possible pour les hommes de Marcos Paqueta. Et on va écouter à ce propos le défenseur central du Chebeb de Belouizdad, Sofiane Bouchard, sur cette rencontre. على بالنا باللي مباراة صعيبة راهي تستنى فينا ان شاء الله اللاعبين كامل مركزين على واش راهو يستنى فينا في طنزانيا ان شاء الله احنا الحاجة اللي تهمنا هي نركزوا في داخل الميدان ان شاء الله باش نحققوا نتيجة إيجابية اللي تخلينا ان شاء الله باش تساعدنا باش نمروا للدور القادم ان شاء الله. Et dans l'autre rencontre du groupe B, il faut savoir que le Ahly du Caire a gagné en déplacement au Ghana face à Madeama, 1-0, et maintient sa place de leader avec un total de 9 points. Et également, rappelons que l'USM Alger affrontera demain dimanche le représentant libyen Hilal de Benghazi à 17h pour le compte de la 5e journée du groupe A en Coupe de la CAF. Et il faut savoir que l'USM Alger est déjà qualifié en quart de finale puisqu'elle occupe la tête du classement avec 10 points. Et on passe au programme d'aujourd'hui en championnat national. En Ligue 1, 18e journée, il y aura aujourd'hui le leader, le Mouloudia d'Alger, qui jouera face au Mouloudia d'El Bayed à El Bayed. Un match qui débutera à 16h et également la JS Kabylie face à l'USM Khachla à 16h. Pour sa part, le Mouloudia d'Oran accueillera l'US Souf à 16h45. Même horaire pour le match CS Constantine à AS Ouchlev. Rappelons tout de même qu'hier, il y a eu l'US Biskra qui s'est incliné face au Nejm Magra 1-0 à domicile, alors que Ben Aknoun a battu la JS Saoura 2-0. Tous ces matchs, bien sûr, seront retransmis en direct cet après-midi dans Sport sur la 3. Merci Abdouane Bendali. Côté météo, je vous rappelle que la pluie va persister jusqu'à demain soir sur la partie nord, placée sous vigilance orange. Vous aurez tous les détails dans quelques instants dans le bulletin météo présenté par Amine Mounir. Voilà qui termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés. Amine Sekni et Ahmed Dadou à la réalisation, Mourad à la technique, Hossine à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.